Alors, shalom, shalom, j'espère que vous apportez bien. Je suis Joël Crasso, n'est-ce pas, le président de la fondation ONG plutôt Espoir de vie. Alors, en cette date du 1er avril 2000, n'est-ce pas, 21, je profite de cette occasion pour vous souhaiter un excellent mois d'avril. Que ce mois d'avril vous apporte le bonheur, la grâce abondante, et la visitation du Saint-Esprit, tout ça. Alors, nous sommes à une clinique, la clinique aujourd'hui, ce soir. Voilà, nous sommes à, je suis à Zérecoré, à la clinique Huguette, où nous avons, n'est-ce pas, pris en charge Déborah et son fils. Voilà, Déborah et son fils. Alors, pendant 3 jours, ils sont restés là pendant 3 jours, n'est-ce pas, parce que c'était vraiment, leur cœur était très alarmant. Vous connaissez déjà son histoire, comment elle a vécu une grossesse de 3 mois. Après 3 mois, son mari est décédé. Et après ça, ben, elle s'est retrouvée à une grossesse qu'elle ne pouvait pas alimenter. Vous comprenez? Et puis, bon, elle a accouché à la suite de ça. Elle a accouché. Elle a été expulsée de la maison, chassée de la famille de son mari. Voilà, donc elle s'est retrouvée dans une situation catastrophique. Et donc, l'ONG Espoir de vie que je dirige, n'est-ce pas, dont je suis le président, a décidé de la suivre. Voilà, donc nous allons, n'est-ce pas, bénir le Seigneur pour le témoignage surtout. Voilà le témoignage. Alors, on vient à toi. Comment l'état de l'enfant? Surtout, on va voir l'état de l'enfant. Présente bien l'enfant. Alors, nous-mêmes, nous constatons que l'enfant va très bien. Parce que l'enfant était dans un état très, très critique. Ça va, Joël? Ça va? Voilà, l'enfant était dans un état critique. Par la grâce de Dieu, on appuie. Vous voyez que son visage est revenu. Voilà, on a pu, par la grâce de Dieu, sauver non seulement l'enfant, mais également sa mère, aussi sa mère. Alors, je vous informe déjà que l'enfant, il est déjà né orphelin de père. Voilà, né orphelin de père. Bon, il a perdu, en fait, son père, pendant qu'il était dans le ventre, 3 mois de grossesse, son père est mort. Et puis, ben, tout arrive hein, dans la vie. Le Seigneur a permis qu'on se rencontre dans cette période de... on appelle ça un élément, moment d'accouchement, c'est ça, dans la grossesse, si vous voulez. Donc, quand il est en thème, voilà, c'est le mot, juste en thème. Et puis bon, par la grâce de Dieu, elle a accouché, mais en même temps avec des difficultés, vous comprenez, comme je disais tout à l'heure. Donc, voici l'enfant que nous avons pu sauver. Alors, nous allons recueillir le témoignage de Déborah. Viens près d'elle, puisque tu as traduit en créé. Prends l'argent, comment tu as perdu l'argent? Alors, Déborah, on veut revenir sur ton témoignage. Que remercie Dieu, parce que c'est ce que Dieu a fait pour lui. Tu peux traduire, toi, tu peux faire. Bon, allons-y avec elle. Allons-y. Parce que nous avons quasi de pas avant pour vous. Parce que. Je peux traduire. Oui. Voilà. Elle a dit qu'elle remerciait beaucoup le Seigneur avant son témoignage et avant même qu'elle ne soit enceinte, son mari était malade. Donc, dès le premier mois de la grossesse, vraiment la situation de son mari s'est aggravée. Ils étaient à l'hôpital régional, ils ont fait 3 mois là-bas avec lui. Sa belle-mère vraiment ne voulait pas la voir. Elle passait tout le temps à la frapper, à la gifler devant lui. Ah bon? Oui. Elle te giflait? Oui. Ah, c'est jusqu'à ce que les 3 mois là, vraiment, il fasse à l'hôpital. Donc, sa belle-mère la giflait devant son mari? Oui. Devant ton mari? Oui, elle était malade. Il était malade, il ne pouvait rien faire. Ok, on y va. Et vraiment, elle a beaucoup souffert. Quand sa belle-sœur ne trouvait pas au moins 2000 francs pour la donner, elle ne pouvait pas manger. Ou si les autres ne pouvaient pas lui donner à manger, vraiment, il n'y avait rien. Elle ne pouvait passer des nuits avec la faim, elle ne pouvait pas se retrouver. Dans la grossesse. Elle était à tout moment malade, elle ne pensait même pas qu'elle allait vivre.
beaucoup de problèmes de source de l'eau aussi autour d'elle. Elle a dit que Vraiment, remercie Dieu parce que elle est tombée malade, la force elle est tombée malade, elle ne savait pas que faire. Mais grâce à Dieu, vous êtes venus et vous les avez renvoyés à l'hôpital ici. Donc aujourd'hui, elle était en train de réfléchir vraiment à son passé et elle disait que si son mari vivait, vraiment sa belle-mère n'allait pas la mettre au duo. Parce qu'elle a beaucoup souffert pour avoir. Donc elle a été mise au duo. Elle a été mise au duo par sa belle-mère. Mais elle a couché, c'est ça? Mais après ça va. Après que tu t'es accouché. Lundi passé, on t'a envoyé à l'hôpital. Là. Donc pendant qu'elle était malade à la maison, avant qu'elle ne soit admise ici à l'hôpital, sa belle-mère est venue la trouver à la maison. Et elle était couchée maintenant là, sans espoir, elle réfléchissait, elle disait mais je suis malade, mon père est malade et on parle de plein de choses autour de moi, comment je vais faire? Gama, elle a dit dans son cœur que si Dieu a accepté que je puisse m'accoucher, l'enfant est en bonne santé, je suis en bonne santé, si je suis malade, le même Dieu viendra encore en aide pour nous aider à être guéris. Et quand elle a fini de dire ça, vous êtes venu immédiatement la prendre et prendre l'enfant pour les envoyer à l'hôpital. Elle était vraiment étonnée. Et elle est très contente aujourd'hui. Et elle est toujours étonnée parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle-même elle avait 2 ans quand son père est décédé. Elle n'a pas bien connu ses parents. Et à 13 ans aussi, sa mère est décédée. Elle-même. À 2 ans, son père est décédé. Et à 13 ans, sa mère aussi est décédée au Libéria. Donc c'est en 2019 qu'on a fait revenir ici à Guinée. Et elle aussi, là où les gens avec lesquels elle se trouvait, cherchaient à la vendre, à la tuer. Ah bon? Oui. La vendre comment? Vous ne direz rien. Elle la livrer aux gens. Pour la tuer? Pour la tuer. Et puis quelqu'un a tout levé vraiment, ils sont tous étonnés. Ok. Bah, il faut dire que c'est Dieu, hein. C'est Dieu qui le fait. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà, notre souhait que ce que Dieu a commencé, qu'il puisse l'achever. Voilà, la vie n'a pas de prix. Ici, il faudrait aider les gens, il faut les aider au maximum possible, surtout l'enfant, il est innocent. Et surtout, tu viens de parler de ta vie, compter ta vie. Je pense que c'est Dieu qui t'amène sur nos chemins.
et qui a simplement, qui nous a simplement utilisé en fait de te venir en aide. Et voilà. Nous serons toujours là, selon Dieu, de pouvoir apporter l'aide qu'il faut. Voilà, et surtout que maintenant qu'on dit que il faut qu'on cherche à te trouver un endroit bien, que, voilà, pour que tu puisses, l'enfant puisse grandir dans une atmosphère. Nous, quand on a vu l'enfant, quand j'ai vu l'enfant, j'étais convaincu que d'ici 2 ou 3 jours, si on ne l'aidait pas, il allait mourir. Parce qu'il n'avait plus cette vie-là. Aujourd'hui, ça va, et toi-même, on sent, ouais, on sent le truc. Alors, nous allons présenter un peu les factures. Voilà, pour vous dire, on s'est vraiment investi. C'est ça une vie. Voilà. Voici les différents factures. Voilà, que c'est. Ça, c'est la facture pour ça. Clinique. Huguette. Huguette. Voilà. Huguette. Voilà. Voilà, donc la première facture, voici la somme de francs guinéens. On y va. Non, 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 la tue, de la facture. Oui, ici c'est pour la mère, la consultation, les examens, les différents examens ont coûté 370 000 francs le premier jour. Et aussi pour le bébé, ce que vous jouez, la consultation, l'hospitalisation pendant 3 jours, le laboratoire pour les examens, tout a coûté 260 000 francs. Guinéens. Ce qui fait un total de 630 000 francs guinéens pour leur prise en charge au niveau de la clinique Huguette. Et ajouter à cela, ajouter à cela les différentes ordonnances. Les ordonnances ont coûté 875 000 francs guinéens. Plus maintenant les 630 000 francs, ça fait 1 405 000 au total. C'est ce qui a été passé du côté du médicament et des examens. Alors c'est le point de activité de loin du espoir de vie. Voilà. Il est bien écrit. ONG Espoir de vie Guinée. Voilà. Alors, on va essayer de prier Dieu. Qu'est-ce que toi tu as envie de dire? Tu te présentes. Je m'appelle. Dieu, merci parce que. Je m'appelle. Je m'appelle Hélène Raba. Tu as quel lien avec elle? C'est la femme de mon grand-père. Le moment qu'elle était là, parce que moi je ne savais pas si elle va être comme ça. Le moment que j'attendais là, tous les jours, c'est moi qui sais ce que je vais te faire. Le moment qu'elle était dans la base de grossesse là, grand-mère dit, c'est moi qui sais ce que je vais te faire. Je dis Dieu merci parce que ce que la grand-mère voulait, elle n'a pas fait. Et je dis, à tonton, merci, parce que ce qu'il a fait pour nous. Une autre ne peut pas faire ça pour nous. Le moment qu'elle était couchée à côté là, il n'y avait personne pour nous aider. Moi-même, j'étais en train de souffrir maintenant. J'ai pris le bébé, j'ai mis ça au dos. Je suis pas. Alors maintenant, quand tu vois la situation, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Je dis Dieu merci. Je vais remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Je dis encore à prophète Joël, merci de ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Ok. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais et dans la vie de ce bébé et de sa mère. Merci parce que durant tout le séjour ici, dans cette clinique, tu t'es révélé comme le Barapha, l'Éternel qui guérit. Merci pour la protection que tu raccordes. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Alors, au-delà de... Vous savez, l'amour nous permet de payer le prix. L'amour nous permet de nous investir. Et c'est ça. La Bible dit que celui qui prétend aimer Dieu qu'il voit, qui ne voit pas plutôt, et qui hait son prochain, est un menteur. L'amour est plus pragmatique. Vous comprenez? Dans l'amour, il y a des actions, il y a des trucs qu'il faut mener. Voilà. Au-delà de prière, au-delà de ce qu'on peut faire, il faut assister des personnes en difficulté. Et surtout quand vous lisez 1 Jacques, chaque chapitre 1, le verset 27. Alors, la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à assister les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde. Nous, notre fondation et cette ONG-là, c'est vrai, par la grâce de Dieu, elle essaye d'aller aider les gens en difficulté. Voilà, en difficulté. Et c'est partout d'ailleurs. Nous intervenons partout. Partout nous sommes, nous intervenons. Par la grâce de Dieu. Très bientôt, voilà, le siège sera une cellule, en fait, un siège. Le siège sera bientôt ici, à Nzéré Corée. Donc, affaire à suivre. Nous sommes en train de mettre le siège de la l'espoir de l'ONG, l'espoir de vie, qui consiste à aider les orphelins, la veuve et tout ça. Parce que Dieu nous a donné cette inspiration d'aider les gens. Les gens ont besoin seulement d'un minimum, n'est-ce pas, de pouvoir pour pouvoir vivre. On ne sait jamais ce que l'enfant deviendra demain. On ne sait jamais dans la vie. Si on peut, il faudrait le faire. Voilà, donc shalom. Demain, Dieu merci, pendant les 3 jours, nous avons demandé, exigé aux médecins de l'interner pour qu'elle reste ici pendant 3 jours. Et c'est ce qui a été fait, elle est restée pendant 3 jours, par la grâce de Dieu. Parce qu'on était convaincu qu'après 3 jours, le chiffre 3, après 3 jours, beaucoup de choses allaient, n'est-ce pas, après 3 jours, les choses allaient le mieux. Mais ça nous a donné raison. Elle est restée ici, ils ont pris soin et tout ça, ils ont traité. Et ça nous a coûté ce que ça pourrait nous coûter, mais c'est rien pour apprendre une vie. Voilà, ça nous a coûté. On peut même dire que c'est, si vous voulez, ce sont les improvisations, mais nous, pour nous, c'est, ça fait partie du plan de Dieu. Et quand il y a un plan de Dieu, nous nous mettons au maximum. Pour nous, c'est rien d'improvisation. Si la chose se présente à nous, que Dieu nous met à cœur de le faire, il nous donnera aussi les moyens nécessaires. Par moment même, on s'oublie. Voilà, par moment, on s'oublie, on s'investit au maximum. Nous sommes en train de travailler sur le siège ici. Voilà, donc très bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, le siège de l'ONG. Voilà, dans quelques jours, nous aurons le cas. Nous sommes en train déjà de travailler ici, l'ONG. Voilà, et puis, vous aurez aussi l'exclusivité de MCA TV. Voilà, à partir de la Guinée. Ça va y mettre à partir de la Guinée. Une chaîne de télé, reste à l'écoute. D'accord? Alors, demain, on viendra faire sortir la mère et l'enfant et chercher maintenant, parce qu'après l'hôpital, il faut maintenant réfléchir à l'avenir de cette mère. Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Oui, après ça, il faut que tu sois en mesure d'entreprendre quelque chose, parce qu'il ne serait pas toujours là, on ne sera pas toujours là pour te donner de l'argent. Il faut qu'on te mette dans une activité pour que tu puisses suivre l'enfant. Alors, bonne nuit. Voilà, on vous souhaite une excellente nuit. Monsieur, bon appétit. Bon appétit, il est concentré.